suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais je suis venu dans ce monde pour faire chanter la joie. Fils et filles du bon Dieu, voilà un samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jeudi où nous faisons mémoire de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Bonne fête à tous les groupes autour de Saint-Antoine de Padoue. Que Saint-Antoine puisse intervenir et intercéder pour tout un chacun de nous. Bon, samba de grâce et de bénédiction. D'abord, le texte liturgique, 1 Roi, le chapitre 18, versets 41 à 46, le psaume 64, puis Matthieu, le chapitre 5, versets 20 à 26. Fils et fille du bon Dieu. Dans cette première lecture, on nous montre la prière du prophète Élie. Où il monta vers le sommet de Carmel, il se courba vers la terre et se mit son visage entre ses genoux pour prier. Il se mit à prier Élie, fils et fille du bon Dieu. Comme quoi nous également, lorsque nous avons un événement, il faut prier, il ne faut pas attendre la dernière minute. Comme ces derniers temps, pendant toute l'année, les jeunes ne venaient pas à l'église, ceux qui préparaient le baccalauréat. Ce n'est que donc avant-hier, à la veille de leur examen, qu'on vienne. Oh Père, bénissez mes outils, mon stylo, mes fils et filles du bon Dieu. C'est pendant toute l'année qu'on prépare tout cela pour demander la grâce de Dieu. Par la prière, ce n'est pas une prière de quelques instants parce qu'il y a telle ou telle chose après, tu oublies le bon Dieu. Heureusement, il est plein de miséricorde pour tout un chacun de nous. Fils et filles du bon Dieu, demeurons dans la prière. Ne restons pas sous forme de troc, donnant, donnant. Non, notre vie doit être rythmée par la prière comme l'a fait le prophète Élie. Fils et filles du bon Dieu, oui, il s'isole une fois de plus. Il monte sur la montagne et se met dans une posture symbolique de concentration de soi-même. Le reste du monde n'existe plus, pour ainsi dire. Il s'est écrasé le visage sur le sol dans un geste de prostration profonde. Ce geste est très important pour montrer qu'il n'est rien son humilité. Nous avons toujours à notre disposition un certain nombre de gestes qui peuvent nous aider. C'est comme à la confession, se mettre à genoux, demander pardon. Quelle attitude d'humilité, fils et filles du bon Dieu. Il ne faut pas les mépriser, car il est vrai que le corps tout entier facilite ou entrave la prière, fils et filles du bon Dieu. Oui, il est manifestement dans sa prière, attend un bienfait de Dieu, la patience dans notre prière. Oui, après une longue période de sécheresse, il attend maintenant la pluie bienfaisante qui va faire cesser la famine. En effet, puisque le peuple s'est détourné des faux dieux, c'est maintenant le temps du pardon. Fils et fille du bon Dieu. Mais cela ne se fait pas tout de suite, tout seul, ni par une seule prière rapide et fugitive. Élie persévère et demande de persévérer cette fois. Cette fois, c'est-à-dire toujours persévérer dans la prière, fils et filles du bon Dieu. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 16 à 17. Soyez toujours joyeux, verset 21. Ne méprisez pas l'esprit qui est dans votre cœur. Priez, fils et filles du bon Dieu. Et soyons patients. Très souvent, les gens viennent me voir, mais ils veulent le contre-coup tout de suite, tout de suite. Père, montrez-moi la prière efficace qui va donner l'efficacité dans ma vie. Fils et filles du bon Dieu, c'est ta foi. C'est ta foi. Et on voit même les chrétiens, après la bénédiction solennelle de la messe, la sainte messe, qui est la prière la plus haute. Fils et filles du bon Dieu, on vient encore demander, oh mon Père, bénisse-moi. Mais non, tu as reçu la bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Oui, Élie manifestement dans sa prière attend ses bienfaits du Seigneur. Oui, fils et filles du bon Dieu, on croit entendre Jésus. Il faut prier sans cesse et sans se lasser. Souvent, on se décourage. Ah, je prie, mais je veux faire même comment? Ne te décourage pas. Persévère dans la prière, fils et filles du bon Dieu. La plupart du temps, l'exaucement de nos prières n'est pas spectaculaire. Pour Élie, ce n'est encore qu'une petite promesse de pluie. Un tout petit nuage grand comme la main. Mais il sait interpréter les signes des temps, comme dira Jésus. Il y voit déjà l'accomplissement de la promesse divine, fils et filles du bon Dieu. Puis le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes. Il y eut une grosse pluie, fils et filles du bon Dieu.
Pour un peuple qui attend depuis des mois dans la sécheresse, la saison de pluie est une promesse de fécondité, fils et filles du bon Dieu. La pluie tant désirée va enfin faire cesser la famine. La pluie des grâces tant désirée dans ta vie va aujourd'hui cesser la famine, cesser la persécution, cesser ta maladie, cesser là où tu te tourmentes, là où tu es découragé. Oui, pour les peuples, la civilisation frère, la pluie porte en elle une signification vitale profonde. C'est l'eau qui donne la vie, amen. Oui, partout où l'eau manque, la vie s'arrête et dépérit. Partout où l'eau coule, la vie jaillit et se développe, fils et fille du bon Dieu. Jésus a repris ce symbole dans les passages de l'évangile où il annonce l'eau vive. Et le baptême, la plongée dans l'eau, est aussi le symbole de la vie divine. Oui, des bienfaits divins que Dieu nous prodigue en foison, fils et filles du bon Dieu, par la prière d'intercession. C'est la prière d'Élie qui a mérité ces bienfaits de Dieu pour son peuple. Oui, je prie aujourd'hui pour toutes les personnes qui écoutent ces méditations, afin que vous puissiez recevoir les bienfaits du Seigneur. Oh Seigneur, écoute le cri de tes enfants. Envoie la pluie de bénédictions, de grâce, de libération, de sanctification, de réussite à tes enfants. Merci Seigneur. Oui, c'est la prière d'Élie qui a mérité ces bienfaits de Dieu pour son peuple. Il faut qu'il y ait des âmes en prière pour le monde. C'est un des rôles des contemplatifs, des consacrés. Prier pour le monde, prier pour ceux qui souffrent. L'évangile d'aujourd'hui, dans cet évangile de Saint Matthieu, où Jésus, une fois de plus, nous parle. Si votre justice n'est pas plus parfaite que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Fils et fils du bon Dieu, des scribes. C'était le docteur de la loi, habilité par leurs compétences et leurs études à enseigner la loi au peuple. Ce sont des maîtres, les rabbins, qui enseignent officiellement la religion juive et assurent aussi certaines fonctions judiciaires. Des pharisiens, eux, groupes religieux, des gens fervents, adversaires de la tiédeur et de la médiocrité spirituelle, qui adoptent des positions radicales et sans compromis face au paganisme de l'occupant romain. Oui, fils et fille du bon Dieu, comment les disciples de Jésus, gens pauvres, simples et sans instruction, pourraient-ils se mesurer avec ces savants et zélés spécialistes de la loi? Et pourtant, il n'y a pas de doute, Jésus leur demande davantage. Il faut que leur justice soit plus parfaite. Il ne doit pas s'agir d'une différence de degré, mais une différence de nature. Oui, fils et filles du bon Dieu, vous avez appris, le texte nous dit qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi, je vous dis que tout homme qui se mettra en colère contre son frère devra passer au jugement. Tel est le premier exemple d'achèvement de la loi ancienne. C'est une fidélité bien sûre, car en interdisant de tuer, la loi voulait déjà amener l'homme à moins de violence, à plus d'amour. C'est ce que j'implore au Seigneur aujourd'hui pour nos jeunes gens, pour les écoliers, pour les élèves, pour les enfants d'aujourd'hui. S'aimer l'amour et non la violence. C'est aussi un changement total au fond. Jésus nous demande de passer de la pratique formaliste à une attitude d'intériorisation beaucoup plus exigeante. Ce qui pourrait pourrir le cœur du dedans, ce n'est pas d'abord le geste de tuer. On peut hélas tuer sans l'avoir voulu. Tuer par le regard, tuer par le congosa, tuer par l'exclusion. Oui, c'est la haine, par la haine. On peut être un vrai meurtrier de son frère, de sa soeur, de ses parents, sans faire couler de sang. On peut détruire les vies des autres sans couler de sang. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est bon, l'amour, oui. La piété envers Dieu ne peut être vraiment que si on aime d'abord ses frères. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère, sa sœur est un menteur, nous dira Saint Jean. Il y avait des offrandes au temple prescrites par la loi. Jésus ne dit pas qu'elles sont devenues mauvaises.
Il n'a rien contre le culte, mais il demande de le rendre authentique et de retrouver la vraie hiérarchie des valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas surtout de respecter les règles liturgiques. Laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Oui, pour Jésus, la fraternité véritable dans la vie de tous les jours passe avant le service de Dieu cultuel, fils et fille du bon Dieu. Ou plutôt, c'est un service de Dieu, le service que Dieu attend d'abord de toi, de moi, la réconciliation avec l'autre. On ne peut pas être dans une même chorale et qu'on ne s'entend pas. On est là en train de dire l'amour de Jésus, c'est pour toi. Alors qu'on ne s'entend pas, va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta soeur. Jésus est réaliste. Aujourd'hui, une fois de plus, il prend ici le cas d'un homme qui a des dettes envers un autre homme, qui est entraîné de force devant le tribunal et qui risque la prison. Et Jésus dit, essaie de profiter du temps où tu es laissé pour obtenir la réconciliation à l'amiable. Oui, Jésus n'est plus d'accord. Il prend de lui la réconciliation aujourd'hui. Telle est la nouveauté de l'évangile. Réconcilier vous, réconcilions-nous, fils et filles du bon Dieu, et aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Kémo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce, n'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction, tout un chacun de vous. Merci, Seigneur. Il n'y a pas de...